moi. Tuez-les, comme le ferait Nisha. Allez, file-moi un coup de main. Ok. On va commencer par ramener les mômes, quand même. Parce qu'ils sont sur le champ de bataille depuis tout à l'heure. Attendez, je suis embêté. J'ai du mal à me repérer. Ok, ok. C'est parce que c'est dans la grotte qui est juste en dessous, en fait. C'est bon. Alors, je vais augmenter un petit peu le son pour moi, par contre. Voilà. Je peux vous aider. Je vais essayer une récompense. Hop. Il n'est jamais bon de voyager seul. Maman, Maïva et MTG Normand nous ont sauvés. Ouais. Bon, bah ça c'est cool. Toujours un plaisir de foutre le sbeul. Les vulpérins sont plus forts qu'ils en ont l'air. Voyez comme les miens ont la rage au ventre. Les infidèles n'ont qu'à bien se tenir. Laissez-moi quelques séfragnes, d'accord? Ce n'est qu'un début. À présent, les infidèles savent à quoi s'en tenir. Tremblez face à la bannière des vulpérins! Vermine d'infidèle. J'en peux plus. Mais je l'imagine trop. Comment avec son petit minois se mettre à montrer les dents, tu sais. C'est... Ah merde. Bon, excusez-moi. Je prends le relais MDG de Normand, je vais relier les vulpérins et ensemble on va marcher sur les tranchées en semant le chaos dans notre sillage. Corfec et les armées n'auront pas le choix, il faudra bien qu'ils viennent nous affronter. Pendant ce temps, Volric et vous aurez le champ libre. Retournez voir Volric. Faites-vous craindre. Eh ben, j'aime quand un plan se passe sans accroc. Corfec a provoqué cette guerre. J'entends d'ici les cris de guerre des vulpérins. L'intention de nos amis nous offre une occasion idéale pour agir. Il ne faut pas la gâcher. Et justement, j'ai un plan. Putain, mais les vulpérins. Ah non, mais je kiffe cette race. Mais clairement, quoi. Clairement. C'est, ils sont au top du top. Ils sont trop mignons. Ils ont la hargne. Et non, ils sont top. Moi, j'adore. C'est bon, quoi, je suis fan. C'est bon, je suis conquis, hein, complètement. Ces Fralis nous viennent en aide. Tant de choses ont changé depuis l'époque où Corfec et moi enseignons ensemble la sagesse de ces Fralis en ces lieux. À présent, les sites sacrés sont en ruine et ces Fralis a sombré dans l'oubli. Quand elle ne fait pas l'objet d'une haine farouche. Corfec, qu'as-tu fait à notre peuple, mon vieil ami?
Ouais. Diplomatie et domination. Puis-je vous confier mon bâton, MDG de Normand? J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Alors surtout, prenez-en grand soin. Les fentes dans aux yeux des serpents, comme aux yeux des chats, on appelle ça aussi des prunelles? Enfin des... Je sais pas. Tout avantage sera bon à prendre quand nous affronterons l'empereur Corfec et j'ai découvert un moyen d'accroître le pouvoir dont nous disposons. Les infidèles ont installé une série de flèches de suppression sur la crête qui nous surplombe. Elles leur permettent de subjuguer et de subjuguer les ptérodactyles. Mon bâton peut absorber la puissance des flèches pour renforcer son propre pouvoir. En attendant, je me charge de recruter un allié dont nous aurons bien besoin dans la prochaine étape de notre mission. Utiliser le bâton de Volric pour absorber la puissance de 6 flèches de suppression des infidèles. Ok. À manipuler avec précaution. Les infidèles dressent des ptérodactyles pour faire pleuvoir la mort depuis les cieux. Leur mans de ciel est mis au point d'un moyen de. Attends. Est mis au point un moyen. Ah d'accord. Ok. Leur mans de ciel. Alors, à mon. Voilà. Il y aurait eu un S. À mon de ciel, peut-être que voilà, j'aurais mieux compris la phrase. On met au point un moyen de concentrer la magie explosive de la foudre dans des cristaux fragiles, des bombes de foudre au sein du plus strict terme, au sens le plus strict du terme. Ces petites merveilles nous seront très utiles si nous parvenons à nous assurer le soutien de Ragjan, le redoutable ptérodactyle qui nous attend au sommet de cette montagne. Joli lancé! Vous Ah. avez toute mon attention! Excusez-moi. À charge pour vous de récupérer un maximum, pendant que je m'efforce de rallier notre noble créature à notre cause. Cette noble chrétienne récupérait ses mains. L'Empire infidèle trônait mon bâton et chargez-le en drainant la puissance des flèches incapacitantes des infidèles. Pour ma part, je vais me rendre au sommet de la montagne et m'assurer que Rakjan ne m'a pas oublié après tant d'années. Bon? Bah écoutez, je vais pas tarder à Tout comme m'arrêter. ce sable, vous finirez aux quatre Votre mort vents. servira d'exemple aux autres. Je fais juste ces quêtes-là et je vais m'arrêter. Parce qu'après, voilà, j'ai. Chose à faire. Corfec, j'ai échoué. Vous serez brisé comme du verre. Attendez, je dois. Ah oui, les bombes, autant pour moi. Autant pour moi, c'est vrai, je dois récupérer des bombes sur eux. Je me suis demandé pourquoi ils m'avaient compté quelque chose après les avoir tués, mais c'est normal. Non, il y en a d'autres des... Bon. Ma vie
pour l'Empire. Ok, voilà le fameux Regjan. Je vois que l'âge n'a fait qu'affûter ta sagesse et ta férocité, Ragjan. Nous allons châtier ces infidèles pour la façon dont ils vous ont traité, toi et tes semblables. Réponse de Ragjan. Non. Bon. Ok, utiliser la lance de trappeur infidèle pour forcer le pterodactyle du magin à se poser puis tuer ce dernier. Ok, faut buter ce mec. D'accord, ok, ce sera là-bas à faire. J'arrive pas à trouver les autres. J'arrive pas à trouver les autres flèches. Là, il y en a une, il y en a une qui a... J'ai l'impression qu'il faut attendre qu'elle repop. C'est chiant leur tornade là. En plus ça dure des plombes. Il me reste quoi? Il me reste une seule, sachant que voilà, je suis pas loin. Ouais, normalement là, je suis dans la zone. Je dois d'abord choisir ici. Ok, et en fait, il est au-dessus. Là, je l'ai. Je suis trop loin. Joli lancer. Vous avez toute mon attention. C'était déjà mort. Ah non, c'est son pterodactyle qui est mort. Faut encore que je bute lui. Ouais.
Mais ça aurait été plus fun de mourir en s'envoyant en l'air. Oh putain! J'arrive pas à croire que j'ai fait cette blague. Nul ne peut arrêter la Ah progression des purée. sables. Ah non, mais parfois je me hais, hein, y a pas, hein, je. Tout Parfois comme ce je me sable, déteste. vous finirez aux quatre vents. Oh, mais foutez-moi la pu! Je charge votre dernier pilier à la con, là. Nous éradiquerons tous les insectes de votre genre. Il est où votre dernier pilier? Pas possible ça. Merde. Et par là? Ah, d'accord, ok, excusez-moi, bah non, c'est pas ça. Ça y ressemble, mais c'est pas ça. C'est pas possible, il est où le dernier pilier? Et merde. Non, c'est bon. Il est là. Bon. On rend les quêtes. Tout comme ce sable, vous finirez aux quatre vents. Nul ne peut arrêter la progression des sables. Que les sables vous engloutissent! Bien. Nous devons rester forts. Ces Fralis nous viennent en aide. Excellent, Rekan est prêt à nous aider. Nous n'abandonnerons jamais. Alors, on lira ça après. L'Empire infidèle tombera. Rekan opine du chef. Un mandroke de moins, c'est toujours ça de pris. A provoqué cette guerre. Les deux quêtes là que j'ai, hein, je les rendrai hors caméra. Ouais, je vais juste lire et puis je vais m'arrêter là. L'empereur Corfec se terre dans les profondeurs. Ok, allez. Se taire dans les profondeurs de son temple souterrain usurpé. Nous devons semer le chaos pour le forcer à se montrer et à nous affronter. L'émeute des Vulpériens est un bon début, mais ça ne suffira pas. Ils ne font pas le poids face à l'armée d'infidèles. Par chance, ils ne sont pas seuls. Le puissant Rajan
est avec nous. Nous allons l'enfourcher et sillonner les cieux pendant que vous pilonnez l'ennemi à grand renfort de bombes de foudre. J'utiliserai mon bâton chargé pour faire des ravages dans les rangs des infidèles. Là en bas, espérons que ça suffira à faire sortir Corsec de son trou. J'ai hâte d'en finir. Ah bah ouais, mais ok, mais ouais, mais si tu me la joues comme ça aussi, moi... ok, bah on va faire cette quête-là avant que je fasse une pause. Ok, bah oui, bah si tu pars sur ce principe... Ah ah, alors... Excusez-moi, hein. Apparemment, ça ne marche pas si je suis déjà sur une monture. Vous êtes là pour nous aider. Ça a bugué. Donc on fera cette quête à un autre moment. Parce que voilà, ça a bugué visiblement. alors attendez, que je regarde juste rapidement. Donc cette quête là, ok. Et j'en ai une à Zuldalar. Je vais juste prendre le fly rapidement. Désolé, ça a bugué, apparemment, parce que j'étais sur une monture, c'est le truc idiot. Vos terres seront bientôt nôtres. On va éviter de trop faire le foufou, quand même. Parce que les chutes sont quand même violentes. Bonjour vous. Alors on va juste aller rendre la quête. Je sais même pas ce que c'était en raccourci. Enfin en raccourci n'importe quoi. En récompense, je veux dire. Petit éclat d'Azurite, ouais, 115 points. Et puis 70 pièces d'or. Bon. C'est cool. Mais honnêtement, marquer que 5 joueurs était nécessaire pour faire ça. Non, là c'était clairement surestimé. Hein. Et là, je monte en haut et je vois que les clés ont disparu. La mort de Vasarika va porter un coup terrible aux troupes infidèles. Ah ouais, 102 d'or. Ouais, c'est plus que je pensais. Plus la réputation, évidemment, auprès de Voldan. Elle donne quoi, la réputation auprès de Voldan? D'ailleurs, je vais la... pourquoi j'ai... Hop, c'est... Réputation... Battle for Azeroth... Voldan... On va la mettre en barre active. Et je suis amical, pour le moment. Et l'Empire Zaldalari, je suis pas... Ah ouais, je suis pas encore exalté, hein. Donc, ouais. Donc là, je suis exalté auprès de 3 factions.
quatrième. Et je suis exalté normalement à WoW classique. La cinquième faction dans laquelle je suis exalté, ce sont les grands Gruggles, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, Fausse Soyeuse, je pourrais l'être aussi. Hein. Il y aurait pas grand chose à faire pour Fausse Soyeuse. Lune d'argent, je sais pas ce qu'il faut. Bon, bah écoutez, moi je vais mettre fin à cette session de tournage ici. Hop, je vais rapidement. Hop, récupérer le pognon. Bon, j'ai récupéré un peu de pognon, c'est cool. Est-ce que je peux... Non, je peux pas utiliser ma monture ici. J'ai ce qu'il vous faut. C'est quoi ça? Si Sony, quelqu'un voudra clairement rajouter. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je sais pas trop à quoi ça sert. Parchemin scellé. Donc ça c'est un truc de quête. Ah oui, c'est le parchemin, oui, que je dois. Non, parce que ça je peux le recycler. Ça peut se vendre à la GV. Ok. Bon, bah, comme je le disais, sur ce, je vous dis à bientôt. Et bonjour à tous. Alors, oui, pour vous, on doit être toujours dans la continuité d'un épisode. Pour moi, quelques semaines se sont écoulées depuis la dernière coupure que vous avez eue. Donc évidemment, bon bah voilà, Rashkan il est réapparu. Alors cette fois-ci, je vais pas faire de bêtises. Je vais sortir de ma monture avant de... Là, c'est bon. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, je balance. Ok, d'accord. Faut que je foute la merde, visiblement. On voit peu. Et je peux pas dézoomer davantage. Limite, peut-être qu'en zoomant davantage, je verrai mieux. C'est pas vraiment le cas, on va dire. Ok, alors par contre, je vois mal les ennemis. C'est un petit peu dommage. On va quand même se laver. Ok, je dois tuer 60 ennemis, mais je les vois pas ou peu, quoi. Ils sont assez clairsemés, j'ai l'impression. Donc, oui, je tire un peu au pifomètre en fait. Je vois très très mal les ennemis. J'ai augmenté un petit peu la résolution graphique du jeu. Voilà, vu que j'ai fait un nettoyage de mon PC, tout ça, qui chauffe. Voilà, qu'il est bien refroidi. Je me suis permis de remettre les graphismes en ultra. Normalement, j'ai pas vraiment de soucis. Je crois qu'il y en avait là. Hein. Non, c'était là qu'il y en avait. C'est là qu'il y en a. Allez, il m'en reste 9.
Je crois qu'il y en avait sur le pont là, ouais. Alors. Les infidèles bloquent la route qui mène à Corfec. Il faut détruire cette barrière. C'est moi ou son grésil? Ok, alors. Pour Sephralis! Servez ma mort sera vengée. Oula, attendez. L'avènement de notre empire marquera votre extinction. Ma mort sera vengée. L'avènement de notre empire marquera votre extinction. Ma Wow, alors attendez. Je vais vous confier une part de mon petit Je me suis éloigné là parce que oh la vache. Ma mort. Oh non, sera vengée. Ma mort sera vengée. C'est impossible. Mais moi. Ma mort. L'avènement sera de notre empire vengée. Marquera votre extinction. Ma mort sera vengée. Voilà, ça va, j'ai juste à me balader et ça tue les... L'avènement de notre empire marquera votre extinction. Nul ne peut nous arrêter. L'avènement de notre empire marquera votre extinction. Nul ne peut. Ah bah ça va, je vais faire le tour de cette place. Nul ne peut. L'avènement de notre empire marquera votre extinction. Donc ça, c'est l'avènement. Nul ne peut nous arrêter. C'est impossible. Impossible. C'est impossible d'avoir un son aussi. L'avènement de notre empire marquera votre extinction. C'est impossible. Ma mort sera vengée. Ma mort sera. L'avènement de notre empire marquera votre extinction. L'avènement de notre empire marquera votre extinction. Voilà, hein. On va. je réduis les discussions parce que là on s'entend plus quoi. Je re-augmenterai après, mais. Ah là là, l'enfer. Attendez, je vais également réaugmenter dans XSplit parce que j'avais baissé directement dans XSplit moi, mais. Ouais, je vais mettre à. Ouais, comme ça, voilà. Normalement, là, ça devrait être cool. Ok, j'ai pas vu qu'il y avait un truc là. Ma mort sera vengée. Ça va, elle est cool cette mission là, c'est. L'avènement de notre empire marquera votre extinction. Ma mort sera vengée. Okay, dernière. L'avènement de notre empire marquera votre extinction. L'avènement de notre empire marquera votre extinction. J'ai mon chat qui vient m'embêter, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle.
J'ai même pas lu le résultat. Nous pouvons nous consacrer entièrement à l'empereur, ok. J'avouerais que oui, là j'ai fait les quêtes avec le son, j'ai pas. On a récupéré des reliques et tout, et puis. Gorvec, sors de ton trou et viens répondre de tes crimes. Vous êtes là pour nous aider. Bon, allez, triompher de l'empereur Cortex. En gros, voilà, on va buter l'empereur qui est le qui est un traître. Enfin voilà quoi. Hop. Ah, il faut nous parler. Nous arrêter. Inclinez-vous devant les pouvoirs de Corvec, l'empereur éternel. La vraie puissance des Séphraques, c'est moi. Tu n'es qu'un échec à nos yeux. Séphalis. Et puis on a. On a Sylvanas qui chante derrière. J'aime bien, hein. Moi j'aime beaucoup. La musique de Sylvanas. Je suis dans ton temple, veille sur les clés quand tu te trouves ici, as-tu manigance? Je suis désolé, hein, avec tout le. Tout le mérite. Le son est juste infect. Donc je ne lis pas, je. J'écoute pas. Vous avez vrai. A tes amas clés et à l'heure qu'il est, il doit également disposer de la tienne. Il va libérer Mithrax et ensemble nous conquérons. Il y a les Banshees ici. Comment ça se fait? Oh, il y a un Bigotron. Ah, merde, je peux pas l'utiliser. Ah d'accord, il y a une instance ici. Alors, attendez. L'empire infidèle tombera. Alors c'est pas ambiance. Ah bien sûr, il est sur le canal discussion. Bon c'est bon, la musique se termine. Je vais réaugmenter. Voilà. Discussion, c'est bon. Maintenant qu'il n'y a plus le tout ce merdier de sonore. Vous êtes là pour nous aider. Voilà. Je crains que l'empereur Corpec n'ait dit la vérité lorsqu'il s'est vanté de son plan ridicule. Si le général Jacques Rassette a attaqué le sanctuaire des dévoués en notre absence, il y a fort à parier qu'il détient à présent tout le nécessaire pour ressusciter Mithrax. Regagnons le sanctuaire en toute hâte avant qu'il commence l'irréparable. Mithrax ne doit surtout pas revenir hanter ce monde. Voilà, voilà, voilà. Nous devons vite retourner au sanctuaire des dévoués et empêcher le général Jack Rassette de libérer Mithrax. Que les vents vous poussent, mes amis. Je dois combattre ici, aux côtés des Vulpérins. Ok, donc on n'a aucun moyen de transport. Donc il y a une instance ici, je sais pas ce que c'est, mais... Voilà. Bah, si je peux savoir ce que c'est. Simplement...
Ah oui, c'est le temple de Sephrelis. Ok, d'accord. Je connais. Je me suis déjà frotté hors caméra. Parce que en fait, ce qu'on peut faire, c'est dans I, voilà, on peut trouver des groupes pour des donjons et on les fait généralement comme ça. Oh, résultat, maintenant le jeu il est trop calme. Attendez, je vais. Hop. Ah si, il y a un peu de son, il y a un peu de musique. Mais je vais augmenter un petit peu le son du jeu parce que résultat. Non, c'est. Là, je vais laisser à 25%. Allez, ce sera bien comme ça. Désolé, hein, mais voilà, j'ai été perturbé par des problèmes de son. Pourquoi je perds de la vie comme ça? Oh la vache. Ouais bah oui, bah évidemment. Évidemment. J'ai pas compris pourquoi j'ai perdu masse de vie là. J'avais pas d'effet néfaste, j'avais rien. J'avais juste une ombre bizarre sur l'écran. Enfin le. Un brouillard bizarre, mais c'était pas. Allô, vous avez perdu votre petite pierre d'âme? Oui, fous-toi de ma gueule, Broom Sandy. L'Alliance envoie certains de ses meilleurs combattants dans la région. Jouons notre carte maîtresse. Bon. Par où je passe? C'est là-bas. J'arrive pas à retrouver le fly. C'est ça qui est chiant. Alors je suis désolé si vous entendez mon chat qui fait des conneries à côté. L'Alliance envoie certains de ses meilleurs combattants dans la région. Jouons notre carte maîtresse. Ouais, un autre jour. Bon, le fly. Je l'ai pris tout à l'heure en plus. Avant de commencer l'enregistrement, je suis venu par là. C'est par là. De mémoire, c'est par là. Bingo. Vous avez quelque chose pour moi? La survie. Wow. Attendez une seconde. L'Alliance envoie certains de ses meilleurs combattants dans la région. Jouons notre carte maîtresse.
J'ai une mise à jour de mon pilote de son il y a quelques jours et j'ai, si ça se trouve, j'ai des paramètres qui ont changé. C'est pas impossible. Alors, est-ce qu'on s'est fait voler les pierres? Je me doutais. On s'est fait voler les pierres. C'était sûr. Nous devons rester forts. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? C'était évident. Enfin, je veux dire, c'était tellement évident. Oh, mais sortez-moi de cet enfer. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit que les laisser là, aux yeux de tout le monde, c'était la pire idée du siècle. Mais évidemment que tu y a trois clés. Tu sais que l'ennemi en a une, nous on en a deux, et on les laisse au même endroit, bien en évidence. C'est évident que ça allait foirer, quoi. C'était évident. Et même le plus simple, ça aurait été carrément de les détruire. Ça, affaire réglée. Oh, purée. L'Empire infidèle tombera. Oh, tuez-moi, quoi. Ah, Jacques Razette et les troupes ont attaqué le sanctuaire en notre absence, sans blague. Cérick s'est battu comme un lion, mais ça n'a pas suffi. Les clés ont disparu et ce n'est qu'une question de temps avant que la barrière ne lâche. Nos amis se sont déjà lancés à leur trousse. Jacques Razette ne doit surtout pas ressusciter Mithrax le Disloqueur. Il faut à tout prix l'arrêter avant qu'il ne commette l'irréparable. Le temps presse, retrouvez-moi vite à Atulamam. Nous devons rattraper Kaja Rakera et interrompre le rituel. Séphranis, nous retrouvez-moi à Atulamam. Les autres nous attendent à l'intérieur. Certes. Oh là 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 là, mais J'ai tellement vu venir de loin, mais de tellement loin. Le scénario, je l'ai vu de tellement loin. Aïe, 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 aïe. Quelle idée à la con. Tu veux pas les détruire, au moins tu les planques, quoi. Tu les mets pas aux yeux de tout le monde. Surtout rassemblés, quoi. Tu donnes tes deux meilleurs hommes de confiance, tu leur confies chacun une clé et tu leur dis de se barrer à... mais loin, quoi. Et surtout de ne pas être ensemble, quoi. Tu les envoies à deux points très éloignés l'un de l'autre, sous bonne garde. Mais surtout, ils se cassent avec, quoi. C'était... Enfin... Ah, je suis... Non, mais je suis...
Là, le scénario, il me tue, là. C'est une erreur de gamin, quoi. Enfin, je veux dire... Normalement, ce genre de scénario, tu trouves ce genre de scénario dans les quêtes bas niveau, quoi. Les trucs de « Oups, eh ben, on s'y attendait pas !» Bah non, bah... Je veux dire, quand... La logique voudrait que, au fur et à mesure que le jeu avance, bah évidemment, on... les PNJ qui nous accompagnent gagnent aussi en expérience et ne fassent pas des erreurs de débutant comme ça, quoi. C'est un peu évident, quoi. Corfec a provoqué cette guerre. Mon peuple connaît l'existence de cet ancien passage depuis des générations, mais nul n'a encore osé l'emprunter. Le tunnel mène droit au tombeau de Mithrax, le Dislocker, et on raconte que son pouvoir est encore palpable dans la grotte. Qui sait quelle horreur nous attend à l'intérieur? Nos amis sont partis devant pour affronter Jacques Rasset et l'empêcher de ressusciter Mithrax. Excusez-moi. Il n'y a pas une minute à perdre. Nous devons rattraper Kaja et Rakera avant qu'elles ne se jettent dans la gueule de Jacques Rasset. Trouver, voilà. Nous n'abandonnerons jamais. Alors. Parler à Volrec. Ok, zut, fallait y parler avant de rentrer. Vous êtes là pour nous aider. Ces Fralis nous viennent en aide. Même dans la mort, l'essence de Mithrax reste puissante. Le pire serait à craindre pour notre monde s'il venait à renaître. Bon, j'ai réinvoqué mon marcheur parce que... Mon marcheur s'en occupe. Oui. Ah, ma tête. C'est quoi ces choses? Faut retrouver Rakera. Et vite. Eh oui, on est sur le dossier. C'est Fralis a donné sa vie pour sauver notre monde. Si Mithrax revient, son sacrifice héroïque n'aura servi à rien. Eh ben, tu nous raconteras ta vie un autre jour. Hein. Et tu reverras, et tu ouvriras un dictionnaire au mot stratégie aussi. Ok, allez là. J'ai dit à Kaja de continuer. Il faut arrêter Jacques Rasset avant qu'il ne soit trop tard. Il faut la rattraper. Allons-y. Je vous écoute. Okay. J'ai
juré de défendre la famille royale. Déjà ? Jacrasset est en train d'invoquer Mithrax, le disloqueur. On doit à tout prix l'interrompre avant que le rituel n'aboutisse. Il faut arrêter Jacrasset et vite passer devant un des jeux normands. On nous suit. Allons-y. Restez sur vos gardes. Tout ce que tu veux qu'on va arriver trop tard, hein, mais ça... fallait peut-être mieux défendre les clés. Le rituel du sang est presque terminé. C'est terminé, Jacrasset. Votre plan a échoué. Je crois pas, non. Échoué ? Ah voilà. Détrompez-vous. Je vais achever le rituel avec votre sang. Voilà, elle nous a tenté une tube bluff Martoni, mais non, il bluffe pas. Je vais achever le rituel avec votre sang. Ma force, qu'est-ce que... Plus de sang pour étancher ma soif.